Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. Même tu l'avais dit, tu l'as dominé. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa.
Papa, merci beaucoup. Père, te disons merci beaucoup. Pour cette privilège encore. D'être là sous tes pieds. Pour écouter la parole de vie. Parle à nos cœurs. Touche nos cœurs. Simba mite manabiso. Que ta parole nous apporte ce matin illumination totale. Que ta parole nous éclaire. Et toute la gloire revient à toi seul. Merci papa. Pour tout ce que tu fais. Merci pour des révélations, des inspirations, de l'expression. Merci pour les témoignages. Tu confirmes tes paroles avec des signes et des prodiges. Merci papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vous salue tous de partout où vous êtes chez vous à la maison. Que mon Dieu vous bénisse. Et encouragez biso na ba témoignage na bango et ba oyo baza vraiment peni à travers de cette message beaucoup écrit en tout cas nous sommes très très bénis papa. Et je dis aussi merci, je bénis aussi toutes les personnes qui nous encouragent par leurs témoignages ainsi que par leurs différents messages pour dire que topambola mimingi. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Et ma prière est que batu bamona yo bamona bikamo. Et ma prière est que quand le monde te verra qu'il voit le miracle. Vie na yo et comme un panneau publicité à Yesu. Que ta vie devienne un panneau publicitaire de Jésus. En te voyant, on voit Christ. On voit ses miracles. Au nom de Jésus-Christ. Ok. La fois passée, on a parlé toujours dans le grand thème Nabiso, efficacité de la parole de Dieu. Toujours dans notre grand thème, l'efficacité de la parole de Dieu. Et Tomoni, point Moussousou, aux résultats Nabiso, caractéristiques de la parole. Et la fois passée, nous avions vu certains points qui nous montrent les caractéristiques de la parole. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu produit ou engendre des signes, des prodiges et des miracles. Et tout le monde qui est le bananzambe est tout d'angouya, et le bananzambe est boti sakabile bope bikamwa. Aujourd'hui, Tokotala, deux points lissous. Nous verrons encore deux points. Oyo ezotali sabiso. L'impact de la parole. Qui nous montre l'impact de la parole. Depuis le début de cette série d'enseignements sur l'efficacité de la parole, je vous avais dit que quand on parle de l'efficacité, on parle de l'impact de la parole, ce que la parole de Dieu peut faire. Voilà pourquoi on est en train de regarder les caractéristiques de la parole. Aujourd'hui, le premier, c'est-à-dire selon notre point, nous sommes à 15e point, si je ne me trompe pas. 15e. L'Anissa Otomona, l'Eloya Liboso, et sa 15e point, Nabiso. Dernièrement, on a parlé de la parole de Dieu guérisse. Baleléquito, l'Obaquito, Soukakine, Sika, l'Obananzambe, Mimakalobiko. Aujourd'hui, 15e point, la parole de Dieu donne la santé. L'Obananzambe, Pesa Kanzoto, Konongono. D'ailleurs, j'aimerais que tu saches que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, pas seulement volonté, mais volonté parfaite de Dieu, c'est que yo nangai tozala en bonne santé, pas malade. J'aimerais que tu saches que la volonté parfaite de Dieu est que vous et moi, nous soyons en bonne santé, que nous ne soyons pas malades. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Appel à Kate. Il ne tombe jamais malade. Souci naïe, souhait naïe.
son désir, son souhait, en bonne santé net, que nous aussi soyons en bonne santé telle que lui. Et toute chose est possible à celui qui croit. Qui te soit fait selon tu as cru. So, alors, c'est une possibilité. Et koki ko salema. Il y a des gens, les anabato, ma comme client, na hôpital consistamment ba yebi ke boye boye boye. En tout cas, tant que moi na Zambe et sengeleza la bongote. Il y a de ces personnes qui sont devenues des clients réguliers des hôpitaux. On connaît très bien qu'après telle période, il reviendra. Or, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne devait pas se passer. Quand je vivre, vous aussi vous vivrez. Les œuvres que j'ai faites, vous aussi qui croyez en moi, vous les ferez, même plus grand que ça. Il a vécu ici en bonne santé. Et c'est ça son souhait. Il y a trois Jean, troisième épître de Jean. Verset 2, il n'y a qu'un chapitre, 3 Jean 2, 3 Jean, verset 2. Nous commençons à lire dans le troisième épître de Jean, au deuxième verset. Glorie. 3 Jean, version Darby. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Okay. Amen. Alors, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Pas en santé, en bonne santé. Quand ton âme prospère. C'est-à-dire, et sa volonté souhaite à Zambé, tous en bonne santé. C'est le souhait de Dieu que nous soyons en bonne santé. Version parole de vie, 3 Jean chapitre 2. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vie. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. La parole de Dieu donne la bonne santé. Mais tous les volonté à Zambé, yo, aux en bonne santé. Nous voyons d'abord pour que tu saches que c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. S'il est notre version avant que version Lingala Yalelo, 3 Jean, verset 2. Oui. Ndeko ya bolingo. Nasengi Zambé te aux ala kamala mu penza, penzo to makasi. Denge bondimi nayo ezali makasi. Denge bondimi nayo ezali makasi. Français courant à lobby ceci. Abi, cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Que tu sois en bonne santé physiquement. Physiquement, physique ou externe, yes. Que tu l'es spirituellement. Quelque part, et si comme encore, ce qui est machine, si nous voulons le lingue osa en bonne santé spirituellement et qu'on reflète même physiquement. Et dès que ta santé spirituelle est bonne, cela va se refléter physiquement. Voilà, parce que le spirituel contrôle le physique, le surnaturel contrôle le naturel. Alléluia. Amen. Alors, je répète, chers amis, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois aussi bon santé physiquement que tu l'es spirituellement. C'est la volonté de Dieu. Tous là en bonne santé physiquement. Que nous soyons en bonne santé physiquement. Ah. 3 Jean, verset 2, version les livres. Mon cher ami, je prie que tout aille bien pour toi et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Que ton corps soit en aussi bonne santé que ton
âme. Ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Corps. Et ça, volonté à Zambé, tout ça en bonne santé, tout ça en zoto, konongono, dengue balbaka, konongono. Alléluia. Amen. Aha. So, alors, na stade oyo, dans un tali, c'est ok. D'abord, oyeba, atteignez moi en Zambé, et sa volonté parfaite. Il y a Zambé Ozala en bonne santé. Mais ceux qui obéissent, volonté permissive, naye eza ozwa guérison. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que Ozala en bonne santé. Volonté permissive, il y a la guérison. Au cas où, mais il y a l'ingité obéla. À ce stade, j'aimerais faire comprendre aux enfants de Dieu que la volonté parfaite de Dieu est que nous, chrétiens, nous vivions en bonne santé. Mais sa volonté permissive est que, au cas où quelqu'un tombe malade, qu'il soit guéri. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu saches que ce qui est tata, si toi, père, ou bien yo, maman, ou mère, ko souhaiter atana makanis na yo atam ko moko teke mwana na yo abela na lingina ise o ke zambe pe akolingate yo obela. Toi, parent humain, si on, en aucun jour tu ne peux souhaiter que ton enfant ne puisse tomber malade, ne serait-ce qu'une seule seconde, sache que Dieu aussi ne peut jamais souhaiter que toi tu tombes malade. Yangoana, il faut yeba ke la parole de Dieu qui est Dieu. La bonne santé. Et Seigneur, na yo oye ba ete lilo bananzambe, oya zalin zambe, ape sa kanzo to konongono. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Pe kala kala teto komona yango awa. Na introduction, na biso to si to clarifie yango ke, eza volonté a zambe parfait, yo obelate. Pe oka ou obeli, il est un volonté permissive. Alors, je suis ton Dieu qui te guérisse. Et nous avons déjà vu dans notre introduction que c'est la volonté parfaite que nous ne soyons pas malades. Mais au cas où quelqu'un tombe malade, c'est la volonté permissive de Dieu d'être guéri. Car il a dit, Nazalin Zambe na yo oyabi kisaka yo. Alléluia. Amen. Donc autant dans Proverbes. Proverbes chapitre 4, partie verset 20 à 23. Nous allons lire dans les Proverbes chapitre 4 à partir du 20e verset au verset 23. Version Darby, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. 21. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les au-dedans de ton cœur. 22. Car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Alobi, mon fils, sois attentif à mes paroles. Saboke bina maloba nangai. Prête l'oreille à mes propos. Tchali kebi. Ne les perde pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur. Ça c'est passion semeur. 22. Car il t'apporte la vie à ceux qui les accueillissent et il assure la santé du corps. C'est-à-dire la parole de Dieu. Quand tu gardes ça en toi par la révélation, cette parole va t'apporter la vie et aussi la bonne santé. Ce qui est bateli en moi malamu na kati na yo et comme me la yo bomo ikasika kabomo ite benzo to kolongono. Je répète, façon semeur. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur. 22. Car il apporte la vie à ceux qui l'accueillent et il assure la santé du corps. La santé du corps. So, l'ilobazambe et pesakanene bon santé.
La parole de Dieu apporte la bonne santé. Une autre version. Version Lingala Monde Nouveau. Verset 20. Mwana nangai, tiens likebi na maloba nangai. Sembola litoi na yo na maloba nangai. 21. Elongwa na miso na yo te. Voilà. Batela yango na kati ya motema na yo. 22. Pamba te ezali bomo ipo na bato oyo bazali kozwa yango pe bokolongo nopo na nzoto na bango mobimba. Liloba ya Nzambe ezali bomoi pe nzoto kolongono. Kolongono. Alléluia. Amen. Bonne santé. Écoute, ton lobby yango, ça fait quelques semaines quand on a matière na biso kasite de la paroquie. En elle, dans la parole réside la vie. Ici, à l'obi, cette parole, quand tu gardes ça, il t'apporte la vie et la santé. Il y a quelques jours passés, nous avons vu seulement ici que la parole de Dieu donne la vie. Et ce que nous voyons aussi, non seulement qu'elle donne la vie, mais elle apporte aussi la bonne santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yango, il faut tous là. Mondimi ya liloba ya Nzambe. Voilà pourquoi nous devons être des chrétiens qui croient en la parole de Dieu. Il faut tomileisa bilei ya molimo. Nous devons nous nourrir de la nourriture qui est la parole de Dieu. Ezali liloba na Nzambe. Dengozo leisa nzoto na ye biloko oyo ezana ngo besoin. Esprit na yo pe il faut leisa ngo. Tangozo leisa e kopesa yo bomoi e kopesa bon santé na nzoto na yo physiquement. Et quand tu nourris, tu te nourris de la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle, tu auras la vie et tu auras la bonne santé sur le point de vue. Parce que Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie la chair, profite de rien. Mes paroles que je vous partage sont esprit et vie. En elle réside la vie. La vie de Dieu. Le souhait de Dieu. En elle réside la vie. Dans la parole de Dieu. Et ce qui donne la vie va te donner bonne santé. Sous la parole de Dieu donne la vie. Alobi, garde-le dans ton cœur. Parce qu'elle va t'apporter la vie. Et la santé à toute partie de ton corps. Mambo shinde belengendo sombro dinga balando sobronde yira. Yes. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22, version Scofield. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est la santé pour tout leur corps. C'est quoi la santé pour tous les corps? La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à Matthieu 4:4 que l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort. Sur la parole de Dieu peut te faire vivre, pas seulement faire vivre, te faire vivre, mais te faire vivre en bon santé. Yes, le bien te ezaka kali patende to disaka kasi liloba nyonso oyo kobima na monoko na Nzambe. Eriko lobate liloba na Nzambe ezaka rate pona kopesa yo bomoi kasi zo sala ete ozala na nzoto kolongono. Dengezo yo kangai na ton wale lo. Dès que tu m'entends ce matin. Yamba bon santé. Reçois la bonne santé. Alobi yamba bon santé. Reçois la bonne santé. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Par la révélation que tu as dans la parole de Dieu. Nzela bo so so yo zana ngo. Mener une vie de bonne santé. Yo zala na bomo ya nzoto kolongono. Bien-aimé. Olingami. On nous a pas dit en elle réside le maladie ou la mort. Non. La parole de Dieu nous a dit en elle réside la vie.
Et Proverbe est en train de nous dire ceci, de nous conseiller. Garde-les, la croix, qui, la parole, dans ton cœur. Quand tu les gardes dans ton cœur, cette parole va t'apporter quoi? La vie, parce qu'en elle réside la vie. Selon Jean 1, verset 4, en elle réside la vie. Et cette vie-là va te donner la bonne santé. Garde-les dans ton cœur, parce qu'il va t'apporter la vie et la bonne santé à tous ceux qui les trouvent. Version communauté chrétienne. Merci. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. 21. Tiens-les présents à l'esprit. Garde-les au plus profond de ton cœur. 22. Elles sont vie pour celui qui les trouve. Elles sont un remède pour son corps. Elles sont comment? Vie pour celui qui les trouve. Elles sont un remède pour son corps. Un remède pour son corps. Un médicament. Yes. Alléluia. Elles ont la capacité. Elle a la capacité de tout modifier afin que tout soit parfait. Alléluia. Amen. Remède pour son corps. Ici pour Anzoto. Alléluia. Amen. Dès que tu entends cette parole de vie, je prie que tu reçoives la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ pénètre toute partie de ton corps au nom de Jésus. Amen. Next. Version français courant. Oui. Proverbe 4, 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes conseils. Verset 21. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli. Ok. Mais garde-les au plus profond de ton cœur. Verset 22. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Oh, mazuze brende keli mazuza bayatoko. Verset 23. Hey, yo. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Batunyo so bako accepte ango. Pour ceux qui vont accepter. Bomoi pe nzoto korongono. Ils auront la vie et la bonne santé. Écoute-moi. Dieu et sa parole sont un. Si Dieu est la vie, sa parole aussi est la vie. Jésus est la vie, sa parole aussi est la vie. Tant que Jésus a belaki, azaki en bonne santé. Nous n'avons jamais lu dans la Bible que Jésus une fois est tombé malade. Papa malamu, atamu kolomongo te akanisa mwana iloba zan doki papa ou doki mama. Non, de même Dieu aussi. Un parent qui n'est pas sorcier ne peut jamais souhaiter que son fils ne tombe malade ne serait-ce qu'une seule seconde. De même, Dieu ne peut jamais souhaiter que vous et moi soyons malades. Ok, je crois, dernière version, après tout à l'heure, comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cette... Parce que Alobi, sa parole d'eau. So, maintenant, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec la parole pour que tout cela, bonne santé. Nini doroko sala na iloba na Nzambe pote tous ala nzoto kolongono. Alléluia. Verset 23. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Voilà. Car ta vie en dépend. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Car ta vie en dépend. Ce que tu penses au fond. Et balobi, garde les paroles au fond de ton cœur. Garde la parole dans ton cœur. Au fond, ici à l'obé, prends garde à ce que tu penses au fond. Maintenant, pour avoir la bonne santé, le secret c'est quoi? C'est que les alinini.
Ça dépend selon le niveau de la révélation personnellement. C'est proportionnel au niveau de ta révélation personnelle de la parole. Parce qu'il a dit que qui te soit fait selon tu as cru. Et ça les mélange le langue yo on dit mi croyance na yo. Ta foi et comata selon niveau ya révélation personnelle aux anango. C'est le verra selon le niveau de révélation que tu as. Je vais te donner quelques exemples. Nazo pesa o mwanda kisa. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Na ebi ete nazali mwana na nzambe. Il est écrit et komami à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Ils ne le sont pas, mais après qu'ils reçu Jésus, ils sont donné, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne tombe pas malade. Maintenant, ce qui est la révélation de qui tu es maintenant, ce que vous avez dit, c'est que reflète nature ya tata na yo. Il te faut de refléter la nature de ton père. Moi na ngombe azangombe. Le petit dans du moi na muselekete azamuselekete. Le petit dans les arts est un lézard. Kosakanate moi na nyoka azakaka nyoka. Le petit dans serpent est un serpent. Bagi kazamo na soki asuyo yebi ki asuyo. Bien que c'est un petit s'il te plaît. Moi na azamo tu. Le fils d'un homme moi est un azambe. Le fils de Dieu est Dieu. Ce que comme moi na nzambe. Si tu deviens il faut refléter. Tu dois le refléter. Azazambe abelakate. Il est Dieu, il ne tombe jamais malade. Nzoto ya moto. Il a pris la chair. Il est venu dans le monde. Ba komite ke abeli un jour. La parole de Dieu nous a jamais montré qu'il était malade. Ça dépend des niveaux et croyances na yo et révélation personnelle aux anango. Cela dépend du niveau de ta foi et de la révélation personnelle que tu as. Par exemple, il est écrit. Et comme ami dans 1 Jean 4 verset 17 que comme lui Jésus, comme il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Dans 1 Jean 4 17 et comme ami le lengue Jésus azali sikoyo. Ça c'est la parole de Dieu. Moi j'ai la révélation. Que tel il est, tel je suis. Ce qui est aussi révélation. Si tu tires cette révélation, on peut résister toutes maladies. Toquer la porte à nous autres, nous avons au bungé adresse. Mutu oyo na kokani na ye. Oyo azana kati na ngai. Appelle kite. Ngai pe malade ngai na yo toka bwani. C'est question de révélation personnelle. C'est question de révélation personnelle. Pas sa parole. Tu peux devenir participant à sa nature. Et nature na yemoko azazambe en bonne santé. Et une de ses natures, c'est qu'il est un Dieu en bonne santé. Alléluia. Amen. Pierre a talis biso alobi. Pierre nous a montré disant. Ses paroles, ses promesses, on peut devenir participant à sa nature divine. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la bonne santé et la volonté à Zambé pour nous. C'est la volonté de Dieu pour vous. Il faut dire Mayango. Tu dois y croire. Alléluia. Amen. Toquez na Pierre, Totani. Nous allons lire dans l'épître de Mazo Bojike Bedebedebedebe. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. Verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Version 2 Pierre 1, verset 3 et 4. Et 4. Version David, j'ai dit au nom de Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, verset 4, par laquelle
Il nous a donné les très grandes et précieuses promesses. Les très grandes et précieuses promesses qui est sa parole. Et afin que par elle, par elle, c'est-à-dire par la parole, ses promesses. Afin que par elle vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Afin que par elle, par la promesse de sa parole, par la promesse de sa parole, sa parole, sa parole, on peut devenir participant à la sa nature, nature divine. Divine. Et moi, quoi, nature divine, naïe, aza zambé. En bonne santé. Yo puis au coco participer na nature wana ozala en bonne santé. Et le connu et accéder yo et que coach sa yo na niveau wana ya bonne santé révélation oyo zanango tango oublié bi ki tu es esprit a bel akate. Yes. Un esprit ne tombe pas malade. Tango oublié bi ki tu es. Quand tu sais qui tu es, okoza la maladie li susute. Tu ne seras plus malade. Dès que au moni coco 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 oboyi ango reste parce qu'il a oublié résister le diable et fuira loin de toi. Yende kolo maladie tala maladie yo yo yonso bazo benga ba kombo moko ezangtina. Eza eza volonté à Satan. C'est lui qui vient voler, détruire, tuer. Alingi ba tuba kufa ba kide na lifelo. Il veut que le peuple de Dieu meure. Mais Yesu aye ko pesa bomoi. Mais Jésus est venu donner la vie. Version Lingala Alelo, 2 Pierre chapitre 1er, versets 3 et 4. Verset 3. Nanguya naye ya nzambe, Yezu apesi biso nyonso oyo ekoki poto sepelisa nzambe na bomoi na biso mobimba. Ye moto abengi biso pe asali te toye baye alakisi biso lokumu pe bolamu na ye. Verset 4. Pe apesi biso bilaka ya tina penza ya solo apesi bino nzela po bosangana na bomoi na ye ya nzambe. Alleluia. Pe bopika na liwa oyo ekwelaka bato nyonso mpo na baposa na bango ya mabe. Alleluia. Amen. Oyoki ndenge lingala alobi ntango yango na ngai ya ten. Verset 4. Verset 4 lingala ya lelo. Pe apesi biso bilaka ya tina penza ya solo apesi bino nzela po bosangana na bomoi ya ye ya nzambe. Tosangana na bomoi ya ye ya nzambe. So tosangani penza na bomoi na ye ya nzambe, est-ce que ye abelaka? Jamais. Non, ye aza bon santé. Il est en bonne santé. Ça va couler en nous aussi. Et pour qui tape pas ina biso. Là où unité ezali, partage mokonde zo salima. Maman yazemi, ceux qui azan en bonne santé, mon appel à cause en bonne santé. Ceux qui azan en fièvre, mon appel à cause en fièvre. Parce que baza uni, nzela ya cordon ombilical. Là où il y a l'unité, les choses vont couler de deux parties parce que nous sommes liés tels que une femme enceinte et son bébé. Ainsi, ceux qui bissent te maintenir unité na biso propre avec Jésus, même vie, même santé, même partage. Si nous aussi maintenons notre unité avec Jésus saine, il y aura la même vie, le même partage, la même santé. Yango tango ya wa mati akei na kembo na aji ya 33 ans. Yango de na zui révélation ya 33 ans. So na otika la kaka 33 ans. Ti na zo kende 70, 80. Na otika la kaka boye. Koma makamu na zo lo boye. Na si na lobi makamu, ça fait des années. Ça fait plusieurs années, j'ai parlé. Plusieurs années, de 10 ans, 15 ans, dans le Bakango, mais tu as là, tu as là, tu as là, tu as là, tu as là. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Ok. De Pierre, chapitre 1er, verset 3, 4, version parole vivante. Oui. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable. Par sa puissance, il nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable. Accéder à la vie véritable. À la vie véritable. Et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Oh yes. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Oh yes. Verset 4. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance. Hey. Et d'un prix inestimable. Mm-hmm. Grâce à elle, vous pourrez
pourrait échapper à l'empire des passions qui mène ce monde à la ruine, voilà, et devenir participant de la nature divine. Devenir quoi? Participant de la nature divine. Encore? Participant de la nature divine. Oyoki, participant de la nature divine. Participant de la nature divine. J'aime cette phrase. Participant. C'est pour dire. Ils partagent naïoté avant. Ce n'était pas ton partage avant. Aujourd'hui, bénédiction on a été avant. Tu ne jouissais pas de ces privilèges. Mais maintenant. Mais si tu peux. Toi et moi. Nangai. Nous pouvons. Tokoki. Devenir. Tokoma. Participant. Basangani. De cette nature divine de Dieu. Ya bomo ya bonzambe na ye. La bonne santé. Zotokolongono. Alléluia. Amen. Amen. So, la parole de Dieu donne la bonne santé. Parce qu'à l'obé, avec toutes ces grandes promesses, on peut devenir participant de sa nature. Moko ya nature divine, la bonne santé. Une caractéristique de sa nature, c'est la bonne santé. Alléluia. Amen. Amen. Mm-hmm. Versant parole de vie. Oui. De Pierre chapitre 1, verset 3 et 4. Verset 3. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Verset 4. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses, des promesses très grandes et précieuses. Des promesses très grandes et précieuses. Ça dit tant que yo aujourd'hui révélation y'a des promesses très grandes et précieuses. Et comme y'a yo et qu'on matière un niveau y'a qu'on jouit y'a qu'on participe na même nature divine. Yango nazolo ba ezali kambo ya révélation personnelle. Voilà pourquoi je dis que c'est question de révélation personnelle qui vient à travers de sa parole. Yango lobi mon peuple sont détruits faute de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok, comme verset 4. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ces mondes pourris par des désirs par mauvais, des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Vous pouvez être unis avec Dieu lui-même. Ok. Si tu es uni avec Dieu, comme une femme enceinte est unie avec son bébé par ce qu'on appelle cordon ombilical. Ils partagent les mêmes choses. Ils partagent les mêmes choses. Si tu es uni avec lui, ce qui est uni avec lui, il est la vie. Tu auras la vie. Il est en bonne santé. Tu seras en bonne santé. Vous voyez? La balle est dans nos camps. Alléluia. Amen. Pendant 40 ans. Pour la toukoumine. Selon la parole de Dieu. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël, personne a tombé malade. Bazalaki en bonne santé. Ils étaient en bonne santé. Sapatu na bango eliamite. Leurs chaussures n'étaient pas. Bilaba na bango et soulukite. Leurs vêtements n'étaient pas. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Tango babimi na Egypte. Quand ils étaient sortis d'Égypte. Surtout le bas, moi na wana aza 50 ans go babimi. Admettons qu'il y avait un enfant de 5 ans à l'époque. Maintenant tu bas ici. Nous ajoutons 40 ans. À partir de l'âge de 5 ans. À partir de l'âge de 5 ans. Les lois a commis 45 ans. Et il a totalisé 45 ans. 40 ans dans le désert. Moula tout à
Il grandissait avec ses chaussures. Sans pour autant que ça puisse bilamba. Il grandissait avec bilamba ses chaussures. Alléluia. Le Dieu de surnaturel. Parce que alors, je serai avec vous. Quand tu es uni avec lui, bien-aimé, tu participes à tout ce qu'il est. Et la parole de Dieu est l'instrument qui nous fait devenir participants à sa nature divine. Ok, une autre version. Version top, verset 4. Ok. Par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que par ceci nous sommes les biens plus haut prix. 4. Par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que par ceci vous entriez en communion avec la nature divine. Alléluia. Vous étant arrachés à la pourriture qui pourrit dans le monde, la convoitise. Avec ceci, vous entrez dans la communion avec la nature divine. La nature divine. C'est-à-dire, c'est possible et c'est faisable. Amen. Et tout cela par la canal ou les canaux de la parole de Dieu. Tout cela par le canal de la parole de Dieu. Voilà. Par le canal de la parole de Dieu. So, la parole de Dieu donne quoi? La bonne santé. Praise the name of Jesus. Louez le nom de Jésus. Yo, yo, belaka, belaka. Vous qui êtes souvent maladif. Ou comme client dans l'hôpital. Tu t'es abonné dans des hôpitaux. Na maudire molimo ya maladie wana. Je maudis cet esprit de maladie. Na lobi motuyo swazo la nanga na minido. Toute personne qui me suit en cet instant. Oyebani ke oza client. On sait que tu es client. Parce que tu es toujours maladif. Pour des temps on y est soyo benaka. Ezana tibiso yote kito kena ka occasionnel kaka bobo na contrôle mais malade ezalakate. Mais yo toujours tu es maladif. Na lobi dengue zo yo kanga e dengue imposer ma boku na yo na la. Je maudis cet esprit de maladie sur ton corps. Et le coyon se belle sakayo et la kelami mabe. Et si tu es malade et maudit. Et si tu communiques la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la bonne santé. Reçois la bonne santé. Être maladif n'est pas montrer la gloire de Dieu. La parole de Dieu m'a dit, Christ en moi l'espérance de la gloire par l'espérance de la maladie. Christ en moi l'espérance de la gloire. Il faut mener vie de gloire en gloire. Celui qui on a connecté avec lui, celui qui est en nous, il est la gloire de Dieu. Il faut te refléter. Nous devons le refléter. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Louez le nom de Jésus. Ça, un autre point pour nous clôturer ce matin. Un autre point pour clôturer ce matin. La parole de Dieu donne la lumière. Parce que nous sommes en train de regarder les caractéristiques de la parole. La parole de Dieu donne la lumière. Mango sende prende kila munda sula mando sombrosia. Yango zumu na kibabika mwe sale makapaske. Bisika pole kotaka. Nyosu iza tenebre. Il faut disparaître. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des miracles. Pourquoi là où la lumière entre, tout ce qui est ténèbre doit disparaître. Au commencement de la création, tout était noir.
Au commencement de la création, tout était noir. Tout était sans forme. Sans beauté. Mais Dieu a prononcé la parole. Et la parole de Dieu nous a dit, dès que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. La parole de Dieu donne la lumière. Et là où la lumière est, le ténèbre ne peut pas habiter là-bas. Et si ka pole ezali molili akoki te koya kofanda. Maladie est ténébreuse. La mort, ça vient de terre. Tout mauvais. Bokono eza yamboka molili liwa et uti na molili nyoso ya mabe eza kaka molili. Mais kasi, la parole de Dieu. Liloba na Nzambe donne la lumière. Pesaka pole. On va aller Psaume 119, verset 130 et verset 105, et aussi Jean 9, verset 4 aussi, ok? Allons-y, Psaume 119. Psaume chapitre 119, verset 130. Verset 130. Version Darby, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence au simple. Verset 130. Psaume chapitre verset 105. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Alléluia. Amen. Verset 130 dit, l'entrée de sa parole donne la lumière. Sur la parole de Dieu donne la lumière. Moko ya nature caractéristique des paroles, parce que la parole lui-même est la lumière. So, quand la parole entre quelque part, ça donne la lumière, ça éclaire, ça illumine. Liloba ye moko azali pole. Yangwana soki akoti esika moko amemakande pole. Verset 130 dit, l'entrée de la parole donne la lumière, éclaire, illumine. Bokoti ya maloba na yo ememaka pole engengi saka. Et soki totangi na Jean, si nous lisons dans Jean, verset 1. Jean chapitre, amen, chapitre 1, chapitre 1, verset 4 et 5. En elle réside la vie, et la vie est la lumière des hommes. En elle, dans la parole réside la vie, et cette vie est la lumière des hommes. C'est-à-dire parole qui est la vie et la lumière des hommes. C'est clair. Ce que Dieu est, ce que Jésus est, sa parole est aussi. Oh, yes, azali lobana epe ezali bango. Jésus a dit dans Jean chapitre 9, verset 4, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, et la parole aussi est la lumière, tu vois. So, ce que Jésus est, sa parole est. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 119, verset 105 et 130. Merci. Version Lingala Mokanda na Bomoy. Verset 105. Liloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai. Liloba na yo ezali mwinda na makolo. Pour cela nini? Et éclairer. Et pesa pole. Pour donner la lumière. Pour beta le bakoute. Pour que tu ne puisses pas trébucher. Que tu ne t'entends pas. Au monde clair. Que tu vois clair. Liloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai, pe moyi na nzela na ngai. Alléluia. Verset 130. Emoniseli ya maloba na yo epesaka mwinda. Epesaka mwinda. Biska mwinda eza teneba kokiko resistete. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister.
Yango, il faut tous à la bana polé. Voilà pourquoi nous devons être des enfants. Et de comment bana polé dengeni? Comment le deviendrons-nous? Selon qualité, yalilouba zambi ozana ngo na katina yo. Yaonde kupeli sa polé ya zambi na katina yo. Bako mona yo boye bamoni ke polé azoya. C'est selon la qualité de la parole de Dieu que tu es en toi, et le monde te verra, on verra que la lumière arrive. Oui, que batoyo bazo tamna kisioluka soki ba moni mwana nzambe ya solo ba yeba ka degré ya pole ya muinda nayo soki muinda nayo eza faible, c'est-à-dire eza faible na communion na qualité ya liloba nzambe ozana ngo révélation ozana ngo peso ki pole nayo eza makasi, c'est-à-dire ozana makasi ozana aux vies de prière, tout va bien. Mais il y a des choses où il y a bomaka pole et bomaka muinda. Bamonaka, dès que tu as au fond comme ça, tu as un niveau. Niveau na yo. Parce que bamusu bakoka atene. Yo ne zo ebate me spirituellement. Bazoko wa utala te. Ezaneti muntu akoka kutala soleil te na misu. Oko fise regard na yo na soleil te. Dès que moko yo na ngai. Yango, il faut tout tambola selon principe ya zambe. Voilà pourquoi nous devons marcher selon le principe de Dieu. Afin que notre lampe ne s'éteigne pas. Et moko ya makambo oezo allumé pour le wana ezanini liloba ya zambe. Une des choses qui allume cette lumière en nous, c'est la parole de Dieu. L'entrée de sa parole est claire. Donc quand tu as maloba na yo et pesa ka pole. Illumine. Ngengi saka. Donne l'illumination. Et pesa ka bofungo lisami. Dans la révélation, il y a des gens dans l'île de Patmos. Ils ont fixé le regard dans la vision. Ils ont fait la Yesu Masat. Et belé abatou. Ce qui est apparaît dans les autres, c'est glorieux. Ils ont fixé le regard dans la Misu Naïté. Parce que, aujourd'hui, il y a un pôle. Il y a un casse-net soleil. On est belé. Nombreuses personnes telles que. Paul, il y a un azamatata qui a fait la mise. Il a commis avec les sur place. Mais Paul était devenu aveugle le fait de regarder Christ. Aveugle, il faut bâtir la baie qu'on fonde la émission. Namon Sinaï, Balobi Batala Kate, Okoko Tala Missionaïte. Moïse Oya Koutanaï. Moïse qui l'a rencontré. Tango Abibiboué, Banaïse Bazoko Koutala Missionaïte. Quand il est descendu de la montagne, on n'arrivait pas à le fixer les yeux. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière des hommes. Wana Nazali Namokiri Nazali Poule pour la bateau. Lui-même a dit qu'il a la lumière du monde. Et vous savez qu'il a bengi biso ba lumière aussi. Et vous savez qu'il nous a appelé aussi lumière. Et belé à lumière na biso ezé akokufa. Mais pour nombreuses personnes, nos lumières sont faibles. Pour d'autres, elles sont faibles. Parce que eloko epesa kapole lumière to kote sakate. Parce que ce qui donne la lumière, nous ne la faisons pas. L'entrée de sa parole donne la lumière. Niveau ya brillance na yo eza lié na niveau ya qualité et quantité ya liloba ozana ngona kati na yo. Le niveau de ton éclat est lié au niveau de la qualité et de la quantité de la parole de Dieu que tu as. Parce que en elle réside la vie et la vie là est la lumière des hommes. Et la lumière brille et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Élève le niveau d'éclat de ta lumière par la parole. Azazambi a boyan. Il est un Dieu de Yango sagesse. Alobi, toko vivre seulement na mlipa, mais nanzele a malobanyo se wuti na monoko ya zambe. Voilà pourquoi il a dit, tu ne vivras pas seulement de pain, de chikwang, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans sa parole, nali loba na ye, réside sa lumière. Ndepole na ye ezali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tanga. Version parole de vie. Psaume 119, versets 105 et 130. 105. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur
ma route. Biska baninga bazo beta libaku yoko beta libakute. Biska baninga bakoya basila yoko koya te yoko silate. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Parce que oui, sa parole est une lampe. Et zali pole. Et une lumière sur ma route. Une lampe qui est claire, mais pas. Et une lumière sur ma route. Pour na mona bien. Amen. Maneko. Bien aimé. La parole de Dieu. Donc. La lumière. Et Tolobi Aliboso, la parole de Dieu donne la santé. La balle est dans ton camp. Nous prouvions selon sa parole. Nous avons tout prouvé conformément à la parole de Dieu. J'aimerais que tu l'entendes jusqu'à ce que cela pénètre en toi. Et commencer à agir en conséquence. Va dans la parole. Parce qu'il a dit, par toutes ces grandes promesses de sa parole, c'est par cela qu'on peut devenir participant à sa nature divine. Albinanzela bilaka nyonso wana netroi ko sangana na bonzambe na ye. Par exemple, la Bible, la parole de Dieu nous a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et maintenant, je suis né de l'esprit. Esprit a belakate. So, aux autres déclarer, croyance na yo, tout ce qui est né de Dieu, vaincre le monde, dans ce monde, la victoire est ma portion. Biskaba dwazo bela, ngaina kobe. Et loko beli sabango, ko beli sangaite. Aux autres déclarer, kondima na yo, révélation na yo dans la parole de Dieu. Tel il est, tel je suis dans ses mains. C'est ça. Amen. Ils ont des voix na yo. C'est le temps de voir, de mon devoir. Mais n'oublie pas. Dans sa parole, récite la vie. Il a dit dans Proverbe, garde ça jalousement, jalousement. Garde ça dans ton cœur, au fond de toi-même, car elle va t'apporter la vie et la bonne santé. Et ici. Monique, sa parole est une lampe qui est claire, mais pas et lumière qui sur ma route. Dans Proverbe, nous avons vu que nous devons garder la parole de Dieu au fond de nous-mêmes car elle donne la vie ainsi que la bonne santé. Ici, dans Psaume, nous avons vu que la parole de Dieu est une lumière sur notre route, sur notre sentier de la vie. In the name of Jesus and the Lord. Send the light, send the light, oh Jehovah, send the light into my soul. In the name of Jesus, send the light, send the light, send the light, oh Jehovah, send the light into my soul. Only in the name. Send the light, oh Jehovah, send the light.
Que sa lumière écoute na katina yo. Pénètre dedans de toi. Et éclairer destinée na yo. Qu'elle éclaire ta destinée. Yusu oyo ezotalisa lokumu ya Nzambe te na vie na yo et disparaître. Que tout ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu dans ta vie disparaisse. Sa parole est une lampe qui éclaire mes pas et la lumière sur ma route. Je prie pour vous ce matin. Lorsque les autres ont trébuché, toi tu ne feras pas un faux pas. Lorsque ils sont tombés, toi tu ne mourras pas. Kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Et loko yoso ezipi destiné na bango. Tout ce qui a étouffé leur destinée. Bazo mona na lisusu te. Ils ne sont plus visibles. Yo ekoko kayote. Amen. Parce que l'entrée de sa parole illumine, éclaire, donne la lumière. Na sambeli pona yo. Je prie pour toi. Ya yo yoso. Et banako marche. Que toutes tes affaires commencent à marcher. Et ça marche. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Je vous bénisse. Na bambo libino. C'est dimanche matin. Na mokole yenga. Atozo wana uzako la nangai na minito. Même si tu es là, tu me suis. C'est maintenant. La parole qui a dit. Le loba nzambe ndelo. Dieu confirme les paroles de son serviteur. Il accomplit ce que prédit son envoyé. Il ne peut pas mentir. J'étends ma main. Et toi tu imposes ta main sur ma main. Je déclare que sa puissance puisse pénétrer en toi. Au travers de ses écrans. Il pénètre en ton corps. Oh yes. Ozawana kingo ezakilo. Tu es là, tu as de lourdeur au niveau de ton cou. Zambenangae amoniyo apikisi. Mon Dieu t'a localisé et il t'a guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Ozomona articulation yonso, ça ne va pas. Tu as des problèmes au niveau de tes articulations. Zambenangae apikisi yo na kombo na Yesu. Mon Dieu t'en a guéri au nom de Jésus. Na pameli toute forme de maladie. Je bannis toute forme de maladie. Tout esprit de l'oppression. Je vous bannis au nom de Jésus. Et n'a décrété délivrance. Je décrète la délivrance. N'a décrété guérison. Ainsi que la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dit. Par mes maîtres sûrs. Vous avez déjà été guéri. Alors, je suis ton Dieu. Te guéris continuellement. A tous au bel an aminito na proclamé yo opikisami. Même si tu es malade, je déclare tu es guéri. Dengue ou imposé ma boko na yo na boko na ngana écran ou imposé angona pisika yo sozo yo kabiente. Je te proclame guéri au nom de Jésus. Cette main que tu as posée sur l'écran, tel que tu le poses partout, tu te sens mal. Je te proclame guéri au nom de Jésus. Yo soezo marché te eba na ko marché. Ma porte est kangami et fungwama. Reçois la lumière de sa parole. Puisque la lumière est à l'éternel, koko vanate. Toute activité ténébreuse na vie na yo. Je la bannis au nom de Jésus. Et disparaître son trace. Na kombo na Yesu. Merci papa. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, tout s'appelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un témoignage. N'oublie pas de nous envoyer voice par WhatsApp pour te partager na baninga. Afin que nous partagions avec le peuple. Que Dieu vous bénisse. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. N'oublie pas. Chaque dimanche c'est à 7h. Dimanche Dieu se le pour la lelo. Mercredi à 10h. Mercredi à 10h. Et vendredi à 17h. Et puis tous en abarrer division. Tous osez la témoignage na yo. Nous attendons votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi.
Salut papa. Ya liboso komo nange zali mama Marceline Perro. Na ya liboso nazo kumisa nzambe na yo na yebite pona bikamwa oyo nzambe na yo asalelinga yi. Papa nazo zanga maloba ya koloba malobe zo zanga ngai te malobe zali ya koloba me nzambe na yo azwa lokumu. Nzambe na yo abatelaka yo na libota mobimba. Na eloko yo sali, na revelation oyo zui pona kosala groupe pona bana na yo. Na makambo oyo ya ba maladie eza na se. Papa nazo zongisa lisusu lokumu epa ya nzambe oya yo. Oya visita kinga lobby na parole de vie oyo te ya kibiso lobby. Papa bakisi oyo zo mona, eza bakisi nazo mela. Na lembi bakisi, pe na lembi nzoto elembi, elemba kingai, pe bakisi elembi nganga pe na lembi bakisi. Lobi tango silisi ba prière, na salela kiyo message na anglais, po na zana fudiside. Na salela kiyo message na anglais, na esenga bi papa, ndenge kako sambe libo na zaki maladi na biki. Zambe na biki singa o reponda kinga pe na anglais, ezanga mama Marceline. Papa na meli bakisi, so na bi na meli bakisi, ozomo na wana na meli bakisi, wana ya tansyo ezali, ya estoma ezali, ya libumupasi ezali, to na meli bakisi papa. Tansyo ekoma ki koma tangati na ba 20, to tansyo nange koma ki mabenzo, to nange zaki yangali sosote. Bandeko na Kongo, bakoma ki kakolota, na kufi kakabon. Na chaque fois na zakaka na foto na yo na tolo na ngai, nazaka kaka na photo na Bible na ngai na photo na lala kana na lamukaka nango na loba kaka 15 jours nzambe na lola kosala ngolo avant hier na lali na lala kite na esi nzambe ah maladi oyo na lembi okokiko sala tateke musali na nzambe bimata na telephone papa oyo oyo penza mutu azokanisa nde oyo sala makaya malamu to na ngamoko nazobanga biseke maladi na ngai ekomika kalikambo ake na sala prière na pasteur na kati ya telephone pona bi po ezali sisu malamu te na meli bakisi na lala kana mutu ya moko neti bazobelisa nga liboma soki ndenge nini tension to nazoyeba te eko sala ke na meli bakisi ya tension e tension ekokita papa estomé lobi ngai na kokita te. Na se ya libele awa ya kovimba estome salanga ka pase kanginga panzi mobimba tolo nanga mobimba. Na kokaka komela mai te, soki na melika ka mai ekoti na libumu nanga, libumu ebandi kotoka papa, eko banda na motema awa, ozoka ndenge na motema ezotoka neti batie loko na moto mbabola, neti batie nzungu na moto ebandi kotoka lekiti na kati ya libumu etoki bombo. Eyaki kosale koma ki soki na simbi ata libumu nanga neti na fina libumu bo, nazoka pasi, kaka prière, nazo deklara kaka se nzoto ango nazo deklare. Eko sala libumu eko sila pasi wana etika likaka papa motema oyo. Na gauche na droite neti bakanginga basinga. Pasi soki bandi nazaka ya kuchatolo likolobo. Soki kaka nalie ata mwa eloko ekoti na libumu nanga. Papa e bandi kotoka neti zoto kisabiloko na moto. Nazo mitu na o maladi nini. Na ken hôpital balobi eza estoma na tension. Ko maladi nini lisusu ezo yelanga bonzambe nanga na mboka o nazanga moko na bana na makambo oyo nakosuka wapi kaka prière papa foto no pe kaka na chaka kaka prière foto no kaka na chaka na ndenge eko sala ke lobby nzambe oyo nzambe na yo nzambe oyo bondelaka nzambe oyo akitisa kyo na Afrika pona ba oya yo pona ko pambola to pona ko bikisa ba mpate na ye. Na ndenga kota kio kaka na kaka ndenga revelation wane yaki. Na ndenga salaki makambo wa groupe lobby. Lobby ifale na shanje susu kisi ya esto. Papa soki na meli kisi te. Kisi na ngana banda komela 5 heures. Na nabrosete na lala kanaba kisi na mai nyoso pembeni. Pona lamuka na tongo na tele manaki oskola na brose. Ifale 5 heures na meli deja kisi. Epe sangamu akimia. Nde na telemina to kolamba nazo kokate kotema moko kosukola nazo kokata kosukola te pasi soke bandi papa etenga mala lezi nzoto mobimba lobinga bite lokwa bakise estoma nazo mona kake zo simba te docteur balobite ba changer ngakisi lobi na tango tindi message na yo yake deza na fale groupe bwena boy nazo message wana na isi mwana ngabite tobima na changer ta
polygel pour ezaki osalanga imoto ezo bimanga nzoto mobimba soki esali bongo moto ko bimanga nzoto mobimba na mukongo na sama kolona libumu na moto soki pasi yango pe bandi papa eko kende ti na mukongo ebimi na mukongo apasi na isi mwana nga bite to bima na luka nano bakisi msusu obako balobi na change na lukisi po na lembi o nzoto te na ye ko bima papa lobi ba farmasi nyonso ya kokanga na mitu ninga bi tangu kutu makambo ezalaki plus pur bakanga ki ba farmasi te e bongo lelo bazokanga farmasi ndenge nini po na mela ki pe ki site ngabi o nazo mede zo sale lokote nazo mbaka ka msusu wana na mela nzambe na yonda alingaki na somba soki site papa nzambe na yonda alingaki na mela soki site po kisi na nzoto nange se koma ki pe poison po ele kaki acide se le kaki depuis novembre ti lelo acide se le kaki to tamboli ta mwana to tamboli farma ba farmasi nyonso ya kokanga to eto zongi na fandi kaka ya to komi 20 heures ko na tellement na zalaki kaka na posa na yo ka maloba na yo to na yo ka prière na yo 20 heures na biso awa bino kuna 19 heures papa na milongoli na salon na tiki bana na koti na chambre na kangi porte na tie na page na yo ya groupe sko na zo zelanga bi ah papa da yo tina sikoyo ndenge ni sko na bosa ni ke biso na Congo to zaka air mon côté tant sko na fandi oh na mosko ba 21 heures ko ngabia biso na bango to zaka air mon côté na fandi kaka na telephone bona mbeto na zozela na zoko ta page mususu na zobi bato bazoto ngozo sala nini na zo répondre bato elo côté to na cheka ka da page na yo ngabi na zozela na ndenge 21 heures ko ki 20 heures ko ki kuna na bandi tema na zaki na page na bandi komona na ndengo bandi message ti na bandi kolanda message na bandi kolanda message na zotanga bible na bandi kolanda message papa révélation wana na ebite soki yango te na ngana loba onga na zo loba oyo tellement na parla banda na banda kobela na kokaka soko parler langue te na kokaka soko ganga te tango bandi ko te ya bozolo bato déclarer sur banzoto to sala boy to lo bato za nani porte ya vie to za porte ya nini liwate boy na boy na bandi ko déclarer wana papa na fandi muke kaka tango komi na dernière nini ya audio na yo kizo to salinga malili mba moko na bandi ko parler la langue tango na bandi ko parler la langue nazo kaneti munoko na ngande zo parla langue te mote mande zo loba papa mote mezo sala ka kezo ningana tuku 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 mote mezo ningana na bandiko parla langue te esili na yeko landa voice no ya suka te esili papa na toka kali susu te na koma na ngane ti bachanga pembeni ya ebale malili butumo itongo poko ata mo eza makasi ndenge ne ngana yo kakaka malili na mesana kolala na ventilateur tongo sa na kokasu ko tia ventilateur te kaka tango silisi prière et sili tolobi amen to bandi ko tinda ba message ya amen papa na yoki nzoto etokingai mulunge moko bona komi na esi bana na tiki ko to chambre na bimi na bandi ko esi bana nga binzamba papa dayo asali nzamba papa dayo abiki singai botara pasi wana ikite mati pona koma ki lobi nga bitena mela ta miliki na nani nini ya maki ya jaune wana pona lembi bakisi na bandi ko ebisa bana mama ninga bibotala ndenza ma papa da yo asalita la botala na yo ki bien nazoka su pasi te pasi nazaki yo ka bo na bo mbala moko na zui nani ba odo na bandi ko yo ki sabana na bandi ko tiko segi sabana nga binde na pesa nzamba da yo ni na pesa bino mbeka to nini bana kutu bazo seka balobi nanga pesa bi mama pesa biso mbeka po to kende na biso lolo nga bina pesa bino mbeke pa nzambe neti ya Isaac to nini na to bandi ko seka na bana na yeko lala mulunge moko papa na zoto kaboeti na lala na ventilateur ti tongo mulunge moyi mopimba o tongo lelonga abit na komela kisi te na kosimba ta kisi moko te banda kaka lobi wana tina sikoyo na meli kisi te papa pasi emati ekiti ndenge zalaki kosala niti bakanginga bapanzi emati ekiti to ndenge zaki ke place ango evimbaki nini bo na yoki neti ekiti talana nebela bakisi papa na ngai soki nzambe na yo te bakisi oyo ebele bona kosilisa kango mukolo nini talande nzambe na yo asalelinga bikamwa papa kotika biso te ba oto za musika liloba na nzambe oyo ya yo ezo manke biso biso toza na Durban talaka eglize za musika na Cape Town
Cape Town, je pense, tout ça, musique. Tout ça, à ta makambo, il y a ba makambo, il y a aussi la net, il y a ba. Il y a ba nani. Comment on est, il y a ba malade, oh, papa, zoa kata ya koso, la kata na biso na groupe. Groupe ou ekoufate. Et ça, la tapo na biso ba ta musique. À ta au côté, à nos pembeni, mais. Bajou, au moins que vous êtes disponible pour na biso. Teyaka biso pata li do banzambe na Bible papa nanga yangonde bon moi kaka ndenge lobami aza bon moi aza kufata aza bon moi aza verita aza nzela ya solo nyonso tout soki yo te biso ango te tale loko sala melinga lobi soki parfois révélation wana nzambe na yo la kisaki yo te mbele katina siko nazo continuer comme la kis na tongo na ebisi bandeko nanga na Congo bana fume nga bibota la nzamba papa da yo ndenga sale nga na yuko tinde ya bangu ba voice na yonga bibo yoka bo landa bo tala ndeto bandi kukumi sanzambi. Yangu na yuko kumi sanzambi na yu papa kotika bisote. Priyere na yu ezala kaka likolo na ngana ya libota na ngayi. Tina zolo babo ibitumbeza makasi papa uti kukufa na mars hour le seng. Makambu bandeko na yeba zo sala biso eza pasi. Tenyon so bazo luka ba elimine biso po batika la nababien ya papa na biso. Eza ebele. Oyo ba pesi biso to lobi te, to lobi eloko te to zota la bango kaka na miso. Oyo ba pesi biso eza muke. Oyo bango bazu eleki koleka. Je pense to si to yana ma bele na 2014 ou 2015. To yaka na ngon eglise po sambe la po na mapang moko papa sombaka ba eta moko. Papa sombaka na tia de zaka 30 eta. Mais le londe tozolo babo e babaluki balobi ke eza ya papa na biso te eza ya bango bandekone balobi bongo eza ya bango babotoli biso nyonso to bapesi biso kaka de book ya 3 mapangu kaka et si oza pe na Kinshasa te oza na interieur neti na chika pawana to lo babitumba butumoi tozolo ta bango kobundisa biso kosala kwakize biso to ba toza na kimya te. Papa kufite koki kolela papa te toza bana bitike. Mama sa kufa kala. Papa eko kufa yende totikala kina e. Yende moboko le aboko la kibiso. Ha eko kufa tiki biso. To ba bazo linga kaka biso nyon se fale to leka. Basi babandiko timo la lisusu ba mabulu. Po biso to leka. Koluke la biso ba pom tozo to reponda ka bango teni tozo tala bango kaka na miso. Totike li bango mapango ango eza 30. 32 états. Ye papa le kinabiso alobi eza 32 te, azo bisa batukeza ya eza 48. Po papa kumaki deja kotonga kuna mi bale. Toza bana na yo. Toza fami pero papa. Na priere na yo kubosa na ka fami pero te. Toza kaka na sama kolo anzambe na yo. Bitumba oyo. Avant papa kufe falende ngana kende po ba maladi oyo na ma bandoto na kumaki komo na ezala ki lisosu biente. Menzambe na yo. A kotika biso te, kotika biso pe na mabondelite papa na ngai, fami pero papa, soko lingyo bandata priere na yo, yo kata odo na ngam na kombo na pesi ya fami pero, ochabana na ona ba priere, tala bika mwanzambe, kaka le premier juro yo bandi, group, tala onzambe na yasale lingai, e bongo titoko manasuka na ebike, ndengo solo bakike ba onyo so bayoki yo ba pambo ya mitoza ya kupambo mana kombo na Yesu ya nzamba dayo Samuel papa na lobi, amen. Pete la Yesu maboko makasi. Bonjour papa. Eza sœur Kapunga, na kopesa nzambe merci pour na prédication ya vendredi à Manto. Nazaki naza na zemi. Nazaki avant nazo sanga matanga na banda ko saigner mukie. Mkongope banda ko sala nga passe après le mercredi ba yokope sanga sango ya matanga aba pesa nga sango ya matanga makila emotion wani sala inge sala ni ti fungo la kol na nga makile banda ki kobima na tchaki yango kati na tchaki kisi na benga ki docteur apesi nga akomenga kisi na zo tchaki kisi mais malgré na banda ko tchaki kisi na banda ki ka ko seni banda mercredi ti vendredi na banda toujours ka kusini vendredi na poko na landa ki prédication te na ekolanda prédication samedi na tongo ya manto
Dadi alubaki, tocha kondima, liboso ya télé, tocha biloko nyonso oyo tolingi tosalela. Moi j'avais trouvé bon ya kocha coupé décalé na ngai. Nazoki coupé décalé na nga na tchi liboso malgré na banda kosalela kisi docteur a pété nga pona kokanga kosa. Na banda toujours ko saigner. Le même samedi on na banda ki ko saigner. Aito komi na moyi na sali prière et sili na ju manto na nga na lati. Kubanda samedi wana ti lelo nazo saigner lisusu te na kata ki pe kisi. Mukongo banda kosala nga pasi et sili nazo saigner te kol na nge kangami. Na ona yo kopesa nzamba dayo Samuel merci. Parce que ensemble, il y a des signes, des produits. Jusqu'à ce que mon papa ne le baque, il n'a qu'un dima. N'attaque qu'un dima. N'engage la prière à papa, il n'a vu guérison. On a coupé ça ensemble. D'ailleurs, Samuel, merci pour la guérison. On a vu. Sinon, tu sois dans quel hôpital, n'engage la foutre en bon rébellé. Merci, papa. D'ailleurs, Isa Kapinga ya Église Film na King. La bengi a parti à Kinshasa. Petela Yesu maboko makasi. Tikana prophétiser na vina. Na sapela na boyina. Bista balinga bazokufa okufa te. Eloko epomi tata na yo ekopo mayote. Eloko epomi mama ekopo mayote. Ya ye. Les jours de chaque action. Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie, tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable, na commission invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya denywa.